Bonjour tout le monde, je suis Laetitia du blog Au fil des pages by Laetitia et vous pouvez me retrouver sous ce même pseudo sur Instagram. Je reviens aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier, on va dire un haul les nœuds, puisque je vais vous montrer mes achats en termes de laine, coton, pelote et autres. Des mois d'août et septembre. J'ai fait dernièrement quelques achats, on peut dire, entre les soldes, mon anniversaire, puis des petites occasions qui sont présentées comme ça, voilà. J'ai refait un petit peu de stock. Il y a à la fois des marques industrielles et à la fois des teinturières indépendantes. Dans l'ordre, j'ai acheter tout d'abord des laines industrielles, donc je vais faire la partie laine industrielle en premier et la partie laine de teinturière indépendante en seconde partie. Je pense que je diviserai la vidéo, je ferai un petit montage, une petite répartition du temps horaire, ce qui vous permettra, si vous ne voulez pas voir les deux, de choisir la partie que vous voulez. Allez, je commence. Donc c'était au mois d'août. Il y a eu des soldes de la marque Fildar. J'en ai profité pour faire un petit peu le plein de coton. Donc j'ai pris du fil coton 3. Donc voici ce que ça donne. La couleur est-elle bonne? Pas tout à fait. Alors, petite parenthèse, pour mon anniversaire, j'ai eu une caméra, donc du coup je filme avec. La grande nouveauté, c'est que j'ai un retour caméra, c'est foufou. Parce que, je sais pas si je devrais vous le dire, jusqu'à présent je filmais avec mon téléphone portable, et mon retour caméra c'était un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire que je le faisais avec un miroir. Donc je superposais des boîtes pour poser mon miroir à hauteur de mon téléphone et j'essayais de me débrouiller comme ça. Voilà, tandis que là c'est merveilleux, je vois ce que je vous montre. Donc revenons à mes cotons. J'ai pris des pelotes fil coton 3 dans ce rose. Alors là il vous paraît un peu plus rose, moi il est presque, je sais pas comment vous dire, un peu plus vieux rose, un peu plus saumonné peut-être. Bref, fil coton 3 de la couleur berlingot. Voilà, ça c'était pour le premier. Pour le deuxième, si je les mets à côté, c'est sympa. Donc pareil, du fil coton 3, hop, dans la couleur corail. Corail berlingot. Après, j'ai pris quelque chose de plus basique, ce gris, donc le silver. Et alors, je suis un chouïa déçu par la couleur. Ah, la caméra, c'est sympa ce que vous voyez. Donc c'est un coloris bordeaux. À la caméra, franchement, la couleur effectivement fait bordeaux. Moi, ma pelote, elle fait presque marron. Un peu marron glacé. Donc, je suis un peu loin du bordeaux. Voilà, et du coup j'ai pris en quantité, je sais plus exactement, j'ai pioché qu'une pelote là de chaque parce que sinon il y aurait eu des montagnes autour de moi. J'ai pris des quantités pour peut-être me faire des, alors c'était pour me faire des petits tops, mais je savais très bien que je ne me ferais pas 4 tops entre le mois d'août et la rentrée, donc voilà. Donc là j'ai, je ne sais plus, un peu moins d'une dizaine de chaque couleur je crois. Voilà, un petit craquage coton.
Si j'en ai trop, ça peut me servir de toute façon pour faire des amigurumis. Et il me semble de mémoire, mais il faudrait que je vérifie, que le fil coton est un fil qui est autorisé pour les petites pieuvres, pour les bébés prématurés. Voilà. Toujours chez Fildar, j'ai voulu essayer deux autres choses. Donc il y a ce fil shiny qui est dans un kaki et qui a donc à la fois du dufteux là, des petits ajouts, et il y a aussi un peu de brillant. Je sais pas si vous allez voir le brillant. Voilà. Donc le fil shiny, il est composé de 94% de coton, de 3% de polyamide et 3% de polyester. Voilà. Et la dernière pelote que j'ai voulu essayer, c'était le fil twist du coloris navy. Donc c'est un bleu marine, j'essaye de vous le montrer. Et là aussi, le fil est pas... Je pense que c'est deux fils retordus. Donc, j'en ai pris des quantités, on va dire, petits pulls, je pense. J'espère. Mais du coup, hop, peut-être de quoi me tricoter quelque chose pour cet automne. Le fil twist navy, il est composé de 80% de coton, 20% d'acrylique. Voilà, après j'ai fait une petite commande de pelote layette parce que j'ai trois naissances dans mon entourage. Du coup, je vais tricoter un petit peu. Alors, j'ai d'abord pris de la marque Rico Design, la Rico Baby Dream Deca. Voilà, alors elle est super jolie, elle a plusieurs couleurs. Elle a du gris, du rose, du vert pâle, différentes nuances de rose jusqu'au saumon. Et le coloris, c'est le numéro 1, tout simplement. Alors ça, c'est peut-être plus pour une fille, encore quoique. Ce qui tombe bien, c'est que après j'ai commandé des Rico Baby classiques, donc des unis. Donc là, on a le coloris 27 qui est un vert clair. Et bah, il s'assortit très très bien avec le vert clair de la pelote. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Après, j'ai pris ce coloris un peu vert d'eau là. Toujours en Rico Baby classique Deca. Un bleu vert. Là, il ressort vert. Il ressort vert et c'est marrant parce qu'en fait c'est un peu la même couleur que mon mur. Et mon mur est plutôt bleu, on va dire. Et là ça ressort plutôt vert. Voilà. C'était le coloris numéro 59. Celui-ci, je sais pas si je vous l'ai dit. 54. Là, j'ai pris un caramel, toujours de la Rico Baby classique Deca, dans un coloris numéro 72, très automnal. Un gris, donc c'est le coloris numéro 41. On dirait que je fais les chiffres du loto. Et un bleu marine dans le numéro 61. Alors, ce qui est plutôt bien, ben là je vous ai montré ces deux-là, elles vont bien ensemble. Et après, on peut faire différents mariages. Je trouve que voilà, c'est des couleurs qui vont plutôt bien ensemble. Je sais déjà qu'il y aura deux garçons. Ah, peut-être même trois garçons.
J'ai de quoi faire. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Les Rico Baby classiques DECA, elles sont composées de 50% acrylique, 50% polyamide. Et c'est vrai qu'elles sont très douces. Je vérifie si c'est pareil. C'est pareil pour la Rico Baby Dream DECA. J'ai profité de cette commande pour trois d'ailleurs, mais c'est parce que j'en ai que deux ici. Deux petites pelotes de Rico Rumi, donc pour faire des amigurumi, couleur chair. Alors la couleur c'est la numéro 23, pour faire des petites poupées. Voilà, c'est une couleur que j'avais pas du tout, donc j'en ai profité pour prendre trois petites pelotes. Et il y en a une que je suis déjà en train d'utiliser, si vous avez regardé mon podcast précédent, pour la poupée Flora Berlingotte de Valérie Filin-Crochet. Voilà, voilà. Et puis, pile le jour de mon anniversaire, il y avait une foire à la pelote à 1€ à la mercerie près de chez moi. Du coup, je commençais plus tard, j'ai décidé de faire un petit crochet. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Bref, alors je savais déjà que c'était des laines principalement composées d'acrylique. Je vous ai pas dit les autres compositions d'ailleurs. Bon, alors du coup, je reviens. Je ferai peut-être une coupure, un montage, un montage vidéo pour vous les insérer au bon endroit, ça sera mieux. Et voilà. Et donc les fameuses pelotes que j'ai achetées le jour de mon anniversaire sont composées pour 3 coloris de 55% acrylique et 45% laine. Donc c'est de la tricot étoffe. Voilà, 1€ la pelote. Autant vous dire que pour faire des petites choses, des fois ça c'est bien pratique. Alors du coup, en termes de longueur, j'ai quoi? J'ai 115 mètres pour 50 grammes. Voilà. Et c'est le coloris 52, donc pas du tout. 512. C'est un beige. Là, vous avez un bleu marine qui est la couleur 3090. Et j'ai pris un gris anthracite. Je me suis dit que c'était un basique à avoir. La couleur 3077. Donc ces trois-là sont composés de 55% d'acrylique et 45% de laine. Et dans les deux autres, il y a un peu moins de laine, un peu plus acrylique. Donc c'est celle-là, les tricots, il n'y a pas marqué étoffe. Elles sont composées de 75% d'acrylique, 20% de laine. Et donc j'ai pris un coloris violet qui est le 9611 et un corail. Vous voyez peut-être un peu plus rouge qu'il n'est. Brique, pas corail, n'importe quoi, brique. Qui est donc le coloris 568. Voilà pour la partie des achats en termes de marque industrielle. Et maintenant, je passe teinturière indépendante. Alors pour les teinturières indépendantes, j'ai commencé par passer une commande chez Anna du Bruit des Aiguilles. À force de regarder le podcast de Terre de Bleu, coucou les filles, enfin à chaque fois déjà je regardais et je me faisais une raison, non j'en ai pas besoin, etc. Et puis le club mystère du mois d'août était sur le film La La Land, puisque Anna propose en fait des clubs mystères
en lien avec des films. Et généralement, il y a 4 couleurs par rapport à une image du film. Et j'avoue que celle de La La Land me plaisait bien. Du coup, j'ai commandé la soque blank. Donc une soque blank, c'est un morceau déjà tricoté qu'on détricote pour retricoter après. Je l'ai pris. Et on ne connaît pas, du coup, comme c'est un club mystère, on ne connaît pas le coloris avant. C'est assez logique. Donc voilà. Alors, hop, j'avais rescotché, mais je vais vous montrer. Hop, je vous la déplie. Et voilà ce que ça donne. Donc il y a du violet, il y a un bleu vert et il y a un orangé. Et c'est trop trop beau. Alors oui, il y a un côté avec une petite pastille et c'est par là en fait qu'on détricote pour après retricoter. Je regarde la composition de la soque blank, donc c'est du 85% mérino superwash et 15% nylon. C'est un fil fingering puisqu'il y a 400 mètres ou 100 grammes. Et franchement, c'est d'une douceur. Je suis en train de la renrouler là, mais ça me tarde. Allez, je vous la refais défiler en l'enroulant. Hop, si j'y arrive. Comme ça, vous allez voir les coloris. Je sais pas si vous avez tout à fait les bonnes couleurs. Je ne sais pas non plus si le son sera bon. Ça, au montage, j'arriverai sans doute à faire quelque chose. Bref. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs côté qualité, son, image, ce que vous pensez de ce changement. J'espère qu'il sera bon. Je vais avoir des petites adaptations à faire, hein, c'est sûr. Surtout que là, la luminosité commence légèrement à baisser. Donc la fenêtre ici, ça se voit puisque j'ai la partie lumière, partie sombre. Voilà. Bref, je reviens au bruit des aiguilles parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant que mes histoires de lumière. Elle propose en fait quand on prend la soque blank, d'ailleurs je vois qu'il y a un peu de rose là, c'est trop, trop beau, trop beau. Elle propose un mini qui va avec, un coloris contrastant qui va avec. Donc là j'ai décidé de le prendre parce que je pense bien me faire des chaussettes et donc c'est un joli violet. Il vous sort bleu là, mais il est violet. Et donc pareil, il est composé de 85% mérino superwash, 15% nylon, il y a 80 mètres pour 20 grammes. Et donc ouais, il est pas si bleu. Voilà, j'en ai profité pour prendre un coloring que je trouvais magnifique depuis le début. C'est le Emerald Pool. Alors, excusez mon accent, je vais vous le mettre là comme ça. Ça sera mieux. Donc c'est un fil mèche en 100% Mérinos, Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Et oui, j'ai même pas fini de vous montrer la couleur. Donc en fait, c'est un bleu vert et un orangé jaune, enfin doré. Bref, il est trop trop beau.
Trop, trop beau. Il vous paraît plus vert que... Plus vert que ce qu'il n'est. Il a quelques nuances de bleu-vert. Voilà. Et Anna propose donc ce qu'elle appelle des boulettes. Je crois que c'est des coloris qui ont un petit défaut. Donc là, j'ai eu cette boulette qui est composée d'un beige, d'un rose, d'un bleu clair. Et donc, c'était la boulette de, normalement, Tech Care, je crois. Qui est un peu moins foncée. Le défaut, a priori, ce serait sur le rose. Je verrai ça quand je le tricoterai. Donc c'est une laine autoriante. Donc c'est, je vais faire une paire de chaussettes. Les rayures vont se dessiner en fait toutes seules. Et donc c'est une fingering. Donc 200 mètres pour 50 grammes. Il y a 85% de nylon et pas du tout. 85% de Merino Superwash et 15% de nylon. Voilà pour ma boulette. Et je suis ravie. Donc voilà pour le bruit des aiguilles. Et pendant mes vacances, on est passé non loin de chez Laine de Joie, de chez Joanie, qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans son atelier, nous parler un peu de filage, nous montrer ce qu'elle faisait. Son tricot machine, ses pièces de vêtements, ses teintures, voilà, c'était franchement très très intéressant, un bon moment. Merci Joanie, je doute que tu me regardes, mais voilà. Et du coup, bah, j'ai craqué. Alors c'est bien, je m'étais fixé un budget et je suis rentrée dedans. Bon, mon budget était quand même pour l'occasion, je m'étais dit qu'il fallait que je me fasse plaisir. Donc je me suis acheté ce qu'on appelle un gradient. Ça va être donc c'est 4 écheveaux, c'est de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes, et ça va être des écheveaux qui vont donc avoir un dégradé léger. Donc celui-ci est assez léger. Hop, je vous montre les 4. Alors c'est vrai que c'est très très léger, celle-ci a peut-être un peu plus, allez je vous les montre une par une, hop, voilà, après celle-ci qui a un peu plus de jaune, donc c'est dans les tons jaune et rose, hop, celle-ci avec un peu plus de mauve, et celle-ci, donc après il faudra que je trouve l'ordre parfait, on va dire, pour les faire. Non, je crois que j'avais trouvé. Hop, c'était comme ça, voilà. Quelque chose qui va du plus clair au plus foncé, mais très très léger. Et Joanie m'a été de très bons conseils. Elle m'a conseillé en fait celui-ci qui est vraiment qui demande moins de technique au moment de le tricoter. Moins de changements, enfin voilà, qui sera plus lisse et fera des passages moins tranchés. Donc c'est sur sa base Aneto Superwash, donc qui est en fait un fil 100% Mérinos. Voilà. Je vous le remonte parce que c'est trop beau. Voilà. Donc ça c'était pour le gradient. Après j'avais pour obsession de trouver un coloris qui aille avec un écheveau que je lui avais déjà acheté. Donc c'était, attention les yeux, cet écheveau là, donc qui est bien bien orangé, qui est donc de la Ida, sur sa base Ida, 50% Mérinos, 30% kid mohair, 20% soie. On voit qu'elle a des petits poils là.
C'est un peu plus fin qu'une fingering puisqu'elle a 450 mètres pour 100 grammes. Et je voulais à tout prix trouver un coloris qui aille avec cet écheveau sur la même base de l'Aïda. Et hop, j'avais pas pris mon coloris, mon orangé. Mais du coup, j'ai craqué pour cette Ida. Alors, celle-ci, hop, c'était le numéro 12 que j'avais commandé. Et là, sur place, hop, j'ai pris le numéro 43. Voilà, qui est un beau violet prune. Il est peut-être un peu plus rosé que ce que vous voyez. Et il a quelques touches, voilà, de orangé qui devraient très bien s'assortir avec celle que j'ai. Voilà, quelque chose de très très automnal. Ça tombe bien, nous sommes le mercredi 22 septembre, premier jour de l'automne, avec un petit haut à feuilles. Voilà, voilà. Voilà, et j'ai craqué pour un coloris qui n'était pas encore sorti quand nous y sommes allés. Elle allait le mettre en boutique. Est-ce que c'était le fait de l'avoir, de le voir et de l'avoir avant la mise en boutique? Je ne sais pas, mais je l'ai trouvé très très joli. C'est ce coloris là qui est un bleu avec un peu de vert, du doré. Enfin, quelques éclats de doré, de cuivré, on va dire. Donc c'est sur sa base Mirali, donc qui est une base 70% mérinos, 30% soie, et c'est un peu plus épais qu'un fil fingering puisqu'il y a 365 mètres pour 100 grammes. Voilà, je vous laisse admirer les couleurs. Et ça, son inspiration, c'était un peu la couleur vert de gris, un peu rouillé, plaque de métal rouillé. Et c'est vraiment chouette, quoi. Vraiment, je le trouve très très joli. Voilà, je crois même qu'elle en a fait... Non, elle a fait des gradients un peu dans cet esprit et qu'elle a mis là en vente récemment. Voilà, voilà pour mes achats. En termes de laine, c'est tout. Et enfin, c'est tout. C'est déjà beaucoup. Hein. Le temps que je tricote ça, on sera rendu à, j'allais dire, l'année prochaine. Fin d'année prochaine. Et encore, à mon avis, peut rajouter quelques années. Non, mais je vais essayer de ne pas les conserver parce que, par exemple, bah, celle-ci, bon, parce que je voulais lui trouver un autre coloris, mais ça fait un petit moment que je l'ai dans mon stock, parce que j'ose pas, parce que je me dis que, bah, autant si je me lance sur un projet que, avec mon niveau de tricot qui est pas tout à fait encore très haut, je me dis, bah, si je foire, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Là, voilà, là, je réfléchis bien, j'essaye d'être sûre de moi, d'être sûre du patron, d'être sûre du rendu avant de me lancer. Mais bon, j'ai quand même quelques idées pour tout ça. Et puis, voilà, donc voilà pour la laine, mais j'ai encore un petit truc à vous montrer. Petit truc que j'ai commandé chez Laisse Filer, donc qui fait plusieurs... plusieurs choses, des sacs à projet, elle fait de l'éco print, elle fait des cyanotypes magnifiques sur papier encadré, des cartes postales, elle en fait sur tissu, enfin j'adore son univers. Et elle a également fait là pour les vacances des petites pochettes à aiguilles, bien pratiques. Donc voilà, moi j'ai craqué. Là il y a eu elle en a refait, en fait elle en avait fait très très peu je crois juste avant de partir en vacances, et elle en a refait là à la rentrée, et
Je crois qu'il y a une mise à jour de la boutique là qui ne devrait pas tarder. Donc voilà, alors elle se présente comme ça, une petite pression. Hop, vous ouvrez et vous avez là également, en fait en bas, une petite pression. De quoi mettre des aiguilles. Alors mon fil en fait, quand il n'était pas accroché là à mes aiguilles interchangeables, je l'avais coincé ici dans la petite pression. Là j'ai un crochet, mes mini circulaires. Voilà, donc je peux tout sécuriser avec les pressions. Hop, je vais refermer. Et il y a la petite pochette zippée, bien pratique, puisque à l'intérieur, bon moi j'y ai mon petit ciseau, mes petits marqueurs évidemment, hop, et de quoi changer mes aiguilles interchangeables. Donc voilà, et cette pochette en fait, je la prends non pas pour aller en voyage, mais je pense que quand je partirai, c'est ce que je ferai, sauf si j'ai besoin d'une trop grosse quantité d'aiguilles. Non mais surtout, je la glisse dans mon sac à ouvrage pour le boulot. Comme ça, j'ai le nécessaire, le strict minimum, la taille d'aiguille dont j'ai besoin pour le projet en cours. Et c'est parfait. Voilà. Alors, j'espère que ce petit haul, les nœuds, vu que c'est le premier, vous a plu. N'hésitez pas à me dire en petit commentaire si vous avez des questions, si ce qui vous passe par la tête. Si vous aussi, vous avez craqué pendant les soldes ou si vous avez récemment fait des achats les nœuds. Et puis, n'hésitez pas à me dire pour la vidéo ce que là vous en avez pensé. La luminosité, je me dis, elle est pas... Faut que je revoie ça. Côté son, on verra bien. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien. Salut !